peuple de Guinée, il est temps pour nous de se donner les mains et d'agir maintenant parce que je ne sais pas qu'est-ce que Mamadi Doumbouya et Bala Samoura, qu'est-ce qu'ils veulent en fait. Ils pensent que la Guinée, c'est en fait, je ne sais pas comment je vais dire. Vous pensez que la Guinée est là? Vous pensez que la Guinée là est quoi? Vous pensez que la Guinée c'est votre héritage? Vous pensez que la Guinée est... En fait, quoi en fait au juste? La famille, je vais vous dire. Le peuple de Guinée, je vais vous dire. Je viens d'être appelé par une personne à Guéguédou. D'accord? Quelqu'un m'a appelé. Voilà. L'intéressé a voulu m'appeler. Il a tout fait pour me joindre. L'intéressé est venu sur la page. Bizarrement, j'étais couché ici. J'étais dans le messenger et tout de la page Fatunielui. Et j'ai vu un message concernant Ali Camara, encore notre frère de force spéciale. J'ai même la vidéo. Ils ont amené la vidéo. Ils ont amené la vidéo. Ils ont... Mamadi Doumbouya veut tuer encore Ali Camara. Mamadi Doumbouya et Bala Samoura, ils veulent tuer Ali. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé la nuit d'aujourd'hui. À 22h de la Guinée-Conakry, Ali était chez lui. Tout doucement, il parlait avec sa femme, parce que voilà, sa femme est là-bas. Elle est en état de famille avancé. Elle va accoucher aujourd'hui ou demain, seul Dieu sait. Avancé. Donc, des gendarmes, des pick-up de gendarmes sont allés au camp. Là où Ali est, il travaille. Ils sont allés demander après Ali. Maintenant qu'ils ont reçu l'ordre de leur chef état-major de venir chercher Ali. Maintenant, il n'est pas au camp. Du coup, comme l'ordre vient de là-haut, c'est le chef d'état-major qui les a envoyés. Du coup, les militaires qui étaient au camp ont accompagné les gendarmes, les pick-up qui sont venus chez Ali. La personne, le jeune en question, il était là-bas. Il était assis. Voilà, je ne vais pas dire il était assis où. Mais il était assis là-bas. Donc, il a suivi l'acte. L'intéressé m'a même filmé la chaîne. On m'a envoyé la vidéo. Maintenant, quand ils sont venus, il paraît que Ali était chez lui. Maintenant, il est descendu. Et on dit, ah, c'est le chef d'état-major qui demande de partir avec toi. Il dit, ok, comme déjà je t'ai couché, je dormais, qu'il était en fétiche et tout, en culotte, bon, c'est pas trop. Donc du coup, qu'il est monté se changer. Il est monté se changer, il prend il s'habille en pantalon et puis voilà, je sais pas trop. Il est descendu. Quand il est descendu, les gendarmes sont venus le prendre. Ils l'ont frappé. Donc, ils l'ont frappé. Ils l'ont fait du mal. Ils l'ont cherché même à l'éliminer sur place. Il paraît, il a fallu l'intervention, je ne sais, de qui là-bas. D'un aussi, voilà, d'un militaire, je ne sais pas. Il dit, mais vous êtes venus le chercher. Il prenait le tout doucement et puis vous l'envoyez. Et ils ont cherché à le meloter. Donc, voilà, ils l'ont frappé. Peuple de Guinée, ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé et ils l'ont embarqué. Destination, le petit qui m'a appelé, il me dit qu'ils ont dit qu'on a crié. Maintenant, je vais vous dire. Peuple de Guinée, si on retrouve le corps de Ali demain, c'est Bala Samoura, Mamadi Doumbouya et le chef d'état-major.
parce que c'est le chef d'état-major, d'après ce que le petit a dit que c'est lui. Mais en vrai, vrai, vu déjà, c'est les gendarmes. C'est Bala Samoura et Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que tu veux en fait? Mamadi Doumbouya, tu as peur de quelque chose que tu ne vas pas échapper. Tu sais qui va te rentrer? Tes petits qui t'entourent là. Parce que nous, on va les réveiller. On va leur dire qui tu es au juste. On va dire à tes petits, tu es un Français. Tes enfants, c'est des Français. Ta femme, elle est française. Et il y a l'hélicoptère qui t'attend dans le palais Momer 5. Quand ça fait pang, tu le prends direction Bamako et tu vas partir. Et une fois en France, les Français vont te protéger. Parce que tu es en mission pour eux. Tu es un légionnaire, tu es un assassin, tu es un sanguinaire, tu es un tueur. Mais Mamadi Doumbouya, je vais te dire quelque chose. Billahi wallahi tallahi. Tu n'es pas plus fort que le peuple. Je dis, Mamadi, sous ton temps, il y aura des morts que la Guinée n'a jamais connus. Et tu vas répondre un à un. Vous là, vous qui sont aujourd'hui chefs, vous allez répondre. Donc, peuple Guinée, là où je vous parle, le pont 8 novembre est bloqué, fermé. Personne ne rentre, personne ne sort. Mamadi, tu n'as pas dit que tu es garçon. Mamadi Doumbouya, tu n'as pas dit que tu es homme. Toi, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Si tu es homme, toi, tu veux le pouvoir, tu n'as pas de cul. Toi, tu penses que le pouvoir, c'est ça? Toi, tu penses que le pouvoir qui est aujourd'hui dans tes fesses là-bas, un imbécile que tu es, toi, Mamadi Doumbouya, toi, tu penses que le pouvoir, c'est comme ça? Toi, tu penses que c'est comme ça qu'on peut obtenir le pouvoir? Mamadi, le peuple t'a pas élu, tu penses intimider qui? Si tu as des couilles, sors de ton palais là-bas. Pourquoi arrêter les gens? Les militaires vont te rentrer. Ils vont tirer sur toi. Tes petits vont tirer sur toi. Wallahi billahi tallahi. Moi, je ne veux pas que tu meurs parce que j'ai envie que toi, tu me vois un jour. Tu me vois en train de servir le pays qui est moi, ma Guinée. C'est pourquoi je ne veux pas que tu meurs. Quand ils vont tirer sur toi, on doit tirer sur tes pieds. Tes deux pieds. Tu dois être handicapé, Mamadi Doumbouya. Tu dois être handicapé. Mamadi, tu penses renverser Alpha Condé? Le traite, on va le traiter. Tu as traité Alpha Condé. Qui va te laisser? Aujourd'hui, il n'y a que tes petits, les bébés. Pourquoi encore aller arrêter Ali? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu veux le tuer? Ah non, mais Mamadi, tu commences à exagérer. Hein? Tu veux que tout le monde maintenant se baraque contre toi. Hein? Tu as pris l'enfant des gens. Tu l'as mis en prison. Tu l'as enfermé. Tu l'as gardé. Tu as tout fait. Tu as monté tout pour dire qu'ils ont volé. C'est allé, non. Ça, tu ne t'es pas à l'aise. Tu es allé les faire sortir. Parce que, moi j'ai dit ici, tu n'as pas voulu les libérer. Tu as eu peur parce que tu te dis, les Ali étaient dans la maison centrale et nos cadres sont à la maison centrale. Comme tu es un peureux là. Comme tu es un vaurien là. Comme tu es un fumeur de chambre indien là. Comme tu es un fumeur de la drogue. Comme tu es un soulard là. Comme tu es un assassin. Comme tu es un traître. Tu as eu peur. Tu as pris les Ali et les autres petits. Tu les as fait fuir. Tu allais les chercher à Zoro. Doumbouya, tu veux nous ramener dans quel temps? Tu penses que les gens vont avoir peur de toi? On va te rentrer bien propre. Mamadi Doumbouya, tu vas chier puis tu vas manger. Mamadi, tu vas aller te faire foutre. On va t'enculer, nous les Guinéens. On va te rentrer. Tu es un imbécile. Tu es un imbécile. Qu'est-ce que tu veux des gens là? Tu as le pouvoir. Tu as pris le pouvoir par l'arme, les armes. Tu vas partir par les armes. Mamadi Doumbouya, Assimi Goïta,
Le comportement que tu es en train de faire, il ne l'a pas fait. Et tu as vu, il a maintenant ces 24 mois et à partir du 25 mars. Ça, c'est acceptable chez lui. Toi, tu es qui? Et lui, le peuple malien le soutient. C'est peu de gens qui ne le soutiennent pas. Mamadi, tu n'as pas dit que tu as des couilles. Tu n'as pas dit que tu es garçon. Mamadi, ils vont te rentrer en Guinée. Mamadi Doumbouya. Toi, Mamadi Doumbouya, tu n'as pas pensé. Eh, Sadiba Keita, c'est Sadiba quoi, Koulibaly du moins. Qu'est-ce que Alpha Condé ne t'a pas donné? Qu'est-ce que Alpha Condé n'a pas fait pour toi? Bala Samoura, qu'est-ce que Alpha Condé n'a pas fait pour toi? Il t'a pas donné. Écoutez-moi très bien, mes amours. Quand moi je vous parle ici, je t'ai sorti ici pour vous dire qu'il y a les dossiers contre Kassori Fofana à la CRIEF. Il n'y en avait pas. Ils ont dit qu'il faut qu'on trouve des moyens. Il faut qu'on parle d'un détournement de 500 millions de dollars. Il faut qu'on trouve tout. Je suis sortie dire ici, les gens ont pensé que non. C'est parti. À chaque fois, on arrête des gens. Moi, quand je sors, je fais les vidéos, je parle. Là, c'est moi qui est là en train de dire. D'accord? Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Je ne dis pas toutes les informations parce que il y a ces informations en disant tout là, rentrant dedans là, on peut comprendre d'où vient la source. Et qu'Allah m'en garde, qu'Allah me protège, que moi j'ai une information et que moi, même en blague, je parle à quelqu'un, je dis j'ai cette information et c'est telle personne qui me l'a dit. Même à ma mère, je ne le ferai pas. Je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais faire du mal aux personnes qui me parlent, qui me donnent les bonnes informations. En me parlant, c'est parce que ils ont confiance en moi. C'est parce qu'ils se disent, Fatou, sa bouche là, c'est elle qui contrôle. Fatoula, elle sait ce qu'elle veut dans sa vie. Fatoula n'enregistre pas. Fatoula ne va pas nous exposer, nous vendre. Mamadi, qu'est-ce que Ali Camara t'a fait? Peuple de Guinée, ils ont frappé Ali Camara. Je dis, j'ai la vidéo. Fallait voir ce que les gendarmes là ont fait. Ils l'ont maltraité. Mamadi Doumbouya veut finir avec les gens là. Mamadi Doumbouya, moi je vous ai dit ici parce que, ou bien c'est parce que la dernière fois dans mon direct j'ai dit, si vous voyez que Mamadi est en train de faire ce qu'il est en train de faire, il a pris les personnes qui ont fait l'école militaire, les personnes qui connaissent c'est quoi l'armée, les personnes qui ne se sont pas retrouvées dans l'armée par accident comme Mamadi Doumbouya, des personnes qui sont vraies formées. J'ai dit dans mon direct, je dis, si vous voyez que Mamadi Doumbouya a tout fait pour éloigner Ali et ses petits, c'est parce que c'est les gens là qui sont actifs, c'est les gens là, ils connaissent c'est quoi les tic-tac. Et il sait que si aujourd'hui ce que lui il faisait, que les Ali là étaient avec lui, les gens là allaient prendre une balle et loger dans son anus. C'est pourquoi tu es allé les chercher. Moi, je ne les reconnais même pas. Le jour où je les ai vus pour la première fois, c'était à la maison centrale. Quand je suis rentrée, je les ai regardés. Ils avaient la visite. Qu'est-ce que j'ai dit aux jeunes de force spéciale? Je dis, c'est bien fait pour vous. Wallahi billahi tallahi, c'est ce que j'ai dit aux jeunes de force spéciale. Le jour où je suis allée pour les voir pour la première fois, je les ai vus. Les forces spéciales, ils étaient deux ou trois. Ils avaient de la visite. Quand je suis venue, et ce n'est pas au même moment, hein, c'est un à un. Quand j'ai vu Ali, je ne l'ai même pas dit bonjour. Quand mon petit frère a dit, c'est ma grande soeur ça. Après, il m'a regardé, il dit, ah ok, comment tu vas? Je l'ai regardé comme ça. Je dis, c'est quoi? Il dit, eh, je dis oui. Je dis, c'est à cause de soi que mon petit frère est en prison.
C'est à cause de soi aujourd'hui, ce qu'on est en train de subir, on est là en train de subir. Parce que c'est vous qui avez fait le coup d'état. Je dis, mais Dieu là, il est unique. Je dis, Allah là, il est unique. Je dis, Dieu ne dort pas. Je dis, vous avez pensé faire du mal à Alpha Condé, nous, le peuple de Guinée. Je dis, le mal là, ça va se retourner contre vous. Je dis, tu es ici, non? Je dis, c'est bien fait pour vous. Je dis, hé, c'est pas fini. Tu es venu ici, non? Vous êtes ici, non? Je dis, vos chefs là, ils vont terminer par ici. Ça, c'est illimité là. Depuis ce jour. Je l'ai plus parce que c'est quand tu viens, c'est quand la personne a de la visite, la personne vient te trouver. Et si aussi, voilà. Donc depuis ça. Mais, tout le monde sait qui sont les gens là. Mamadi Doumbouya, pourquoi reprendre Ali? Bon, attendons peut-être, tu l'as. Espérons que tu as pris Ali pour lui demander pardon, pour l'approcher de toi, pour que vous travaillez ensemble. Mais Mamadi, si c'est le cas échéant, c'est pour l'arrêter encore. On va te rentrer de nouveau sur les réseaux sociaux ici. On va prendre nos... Moi, je dis, Mamadi, ni bon mané, mais konko, il t'en a falari. Mouni kombi mané, hé kombi de bana. Il n'a pas ramenira, il n'a pas douli kanyina, il n'a pas agolo kanyina nera. Donc, il n'a rameya, de kouinara quoi. Donc, il t'en a rameya. Tu as vu Assimi Goïta, il marche avec trois voitures, parce que lui, il sait qu'il est avec le peuple. Tu veux le pouvoir? Tu ne veux pas assumer les conséquences? Tu penses que les imbéciles réunis à tes côtés, ce qu'ils faisaient avec le pouvoir d'Alpha Condé, nous aujourd'hui, ils sont là, ils ont bouclé leur anus. Et nous, on va s'asseoir, se taire ici. Sans venir vous rentrer ensemble. C'est toi, on va rentrer. Parce que quand toi, tu tombes là, c'est fini. Quand tu veux faire tomber les mangues, il faut couper le manguier. C'est fini. Il nous a mangué Rabira. Oui. Quand tu veux que les mangues là tombent, ne cherche pas à faire tomber un à un. Il suffit juste de couper le manguier. Le manguier est coupé, les mangues vont être à terre. Donc nous, c'est toi, on a besoin de toi. Maman dit, on va te rentrer matin, midi, soir. Tu es un assassin, tu es un criminel, tu es un illuminati. Je vais dire aujourd'hui, comme tu crois en ça, nous, on va te montrer que si c'est pour t'enlever là, hein? Nous aussi là, on va rentrer juste pour t'enlever. En gama mamakamoumaraba. Quand tu penses que Nare Mama dit dans ça là, moi je suis prête à. Moi j'ai dit, hein, si moi je vais mourir pour que tout le Guinéen, pour qu'il soit heureux, pour que cette Guinée dont tous les Guinéens rêvent là, hein, si c'est moi, quand moi je vais rendre l'âme. Tout le Guinée, si c'est moi qui va être sacrifice pour que tous les Guinéens vivent heureux, je prie Dieu qu'il reprend ma vie pour que vous autres là, vous vivez heureux. Pour que la Guinée dont tout le Guinéen rêve là, que vous viviez ça. Donc maman dit, moi je suis sacrifice pour mon pays et pour mon peuple. Maman dit, on va te rentrer. Si tu penses qu'aujourd'hui, tu as pris tous les grands gueulards là. Tu as pris tous les imbéciles de grands gueulards, des grandes gueules, les personnes qui ont les sales bousses, les personnes qui étaient là sur les réseaux sociaux et dans les radios, qui racontaient des bobards, qui racontaient du n'importe quoi sur Alpha Condé. Et aujourd'hui, tu veux... Mamadi, Inyangamadi, Inyengedi, imbécile. Il m'a rabolé. Il salopard. Il n'a ramené à Nera. Il coucou qu'elle lui dit. Ni qu'elle lui dit. Il coucou qu'elle lui dit. Ibra Alpha Condé Mina. Il coucou qu'elle lui dit. Alpha Yibolo. Il coucou qu'elle lui dit. Kassori Yibolo. Il coucou qu'elle lui dit. Et Docteur Diane Yibolo. Il coucou qu'elle lui dit. Amadou Damaro Yibolo. Il coucou qu'elle lui dit. Il est là qu'il y a. Il va se la moigner cap. Il y a talé les câbles à cassola. Qu'est-ce qu'il dit? Ni qu'elle dit. Il dit
Je te connais pas. Moi, je ne connais personne d'entre vous. Même au temps de Alpha Condé. Du moment où je connaissais le chef suprême, là, ça me suffisait largement. Donc, je ne connaissais pas. Je ne connais pas les gens. Je ne connais pas trop de gens. Mais Seydouba ou quoi, Koulibaly, qu'est-ce que Alpha Condé n'a pas fait pour toi? Aujourd'hui, un bambin. Tout ce que tu es en train de faire, tu as peur de deux choses. Tu as peur d'être arrêté. Tu as peur d'être amené à la retraite. Tu as peur de quelque chose que vous n'allez pas avoir. Est-ce que vous n'avez pas raté? Hey! Même si nous, on vous donnait les 3 ans dont vous voulez, là, 3 ans, là, si on est en bonne santé, c'est bientôt. Et vous allez partir. Mais Alouania, vous allez partir, mais comment partir? Vous vous rêvez après 3 ans que votre vie là est éteinte. Vous vous rêvez après 3 ans, vous n'avez plus une vie normale. Vous vous rêvez après 3 ans, vous devenez des prisonniers à vie. Ça, c'est votre rêve, vous. 3 ans. Pour 3 ans, tu gâches ta carrière. Pour 3 ans, tu gâches ton avenir. Pour 3 ans, on t'oublie en prison. Parce que même si je dis, on ne va jamais accepter les 3 ans là. On ne va jamais accepter les 3 ans là. Toi, tu es un homme. Tu es homme, tu as fermé le pont 8 novembre. Personne ne rentre, personne ne sort. Tu as pris tes fesses noires, Mamadi Doumbouya. Tu as dit que c'est toi qui pissais le carburant. Que le carburant sort dans tes deux testicules là-bas. Donc c'est toi qui produis le carburant. Toi, Mamadi Doumbouya, tu nous as fait croire ça, nous, le Guinéen. Tu as fait croire que Alpha Condé, c'était la méchanceté. Donc tu es venu, tu as ramené le carburant. Tu as fait descendre le carburant. Oui, Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, toi, tu fais monter le carburant. Tu as vu la chérité de la vie. Tu es dans ton palais là-bas. Les gens souffrent. Il n'y a plus rien. Les devises ne font que descendre. Et malgré les devises sont à terre, les prix sont triplés. Quand le dollar était à 1 million, aujourd'hui, les prix des marchandises sont triplées malgré les devises sont descendues. Tu ne veux pas qu'on parle de la vérité, quoi, la vraie vérité, la vie réelle de Guinée. Tu as dit que c'est Alpha Condé qui a rendu la vie chère. Alpha Condé a fait ça, a fait ça, a fait ça. Toi, tu es venu. Tout ce qui était à 30 000 est allé à 100 000. Tout ce qui était à 100 000 est allé à 600 000. Tout ce qui était à 600 000 est allé à 1 200 000. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Et nous, parce qu'on veut parler, parce que tu es armé, parce que tu es un assassin, parce que tu es un rebelle, parce que tu es un bandit, parce que tu es un arnaqueur, parce que tu es un arnaqueur aussi. Hein? Tu es un drogué. Tu es un salopard. Je dis, Mamadi, c'est moi, je vais te rentrer ici. Comme je dis, je vais t'insulter, je vais couper mes deux pieds, je vais introduire dans ton derrière là-bas.
Mamadi, tu es un imbécile. Nyomo denka fri deni le di. Il est mo la koron. Il est mo djou. Il est kafri. Mais vous qui pensez là, vous qui soutenez Doumbouya, vous allez le regretter. Je dis, vous allez le regretter et le peuple va comprendre qui vous êtes. Un jour viendra, wallahi billahi, vous ne pouvez même pas parler devant la masse. Parce que, vous, moi je ne dis pas, hein. Il y a des choses quand je dis ici, mais je ne dis pas. Je ne vais pas dire, moi je suis fière de ce que je suis en train de faire. Je suis très fière parce que la personne que j'aime, je ne vais jamais le tromper, je ne vais jamais le trahir. Et le moment venu, je dis, le moment venu dans ce pays, vous allez comprendre. Dia Fatoumié lui avait raison de combattre Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'a vu qu'Alpha Condé qu'une seule fois. Et même si Alpha a refusé de lui parler. Ceux qui disent que non, c'est le coup d'Alpha, ils sont ensemble. Ngo Kouma Betifo la Facebook là. On ne dit pas tout ici, sur ici, les réseaux sociaux. Sinon, si moi je vous parlais ici récemment là, des choses, quand je vous dis, mais je ne peux pas parler en fait. Je ne dis rien. Je ne vais rien dire. Mais, al di maloya, al momi yel. Nko, ni moi si si Alpha Condé fait. Ni moi si si bafo ko Alpha Condé li di. Nal ka long. Nkal fa la dia. Nal ka la alo. Nti wia fo la nye. Nal ka long. Ko Alpha la ko. Mbra ta nga la bra. Al kana mama di souteni. Al pa souteni. Al ma Alpha dia la nko ke. Nko kuma beti fo la yan. Nko al kana mama di souteni. Ni Alpha aye Alpha fe. Ma fo de ni al mama di dumal nye. Ma fode, nan la entere. Ye mama di bolo. Ma fode, parce que me ka fo. Ndi mnye mama di souteni. Mnye Alpha fe. Alpha, Allah, kuma beti fo la. Nko, anti se kuma be fo la réseaux sociaux la. Surtout wati ni nga ku ikalon kuma be la fo wati di se. Men nenti kuma la undu nko a wati di se. Parce que Bibi, Mamadi Doumbouya, eh Allah! Peuple de Guinée, il est temps pour nous. Wallahi billahi tallahi. Si on ne se lève pas. Si on ne se lève pas, un seul homme. Si on ne se lève pas, combattre la dictature de Mamadi Doumbouya. Si on ne se lève pas, combattre ce dictateur, Mamadi Doumbouya. On va le regretter. Tout le peuple de Guinée va le regretter. Je vous jure sur le Coran. Il est temps pour nous de se lever. On ne doit pas avoir peur. Hey, on ne meurt qu'une seule fois. On doit se lever. On doit mourir pour une seule fois. On ne meurt pas deux fois. Et on ne meurt pas tant que Dieu ne nous a... Tant que Dieu n'a pas besoin de nous là. Tant qu'il ne veut pas qu'on le revienne là. Qu'on le rejoigne. Wallahi billahi tallahi, on va vivre. Quelle qu'en soit la haine et la rage que les gens ont contre nous. La seule chose qui peut faire partir Mamadi Doumbouya, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est l'oudalé, je vais te dire. Ne rentre pas en Guinée. Je dis, c'est la seule chose qui peut sauver. Aujourd'hui, c'est où tu vas sauver le peuple de Guinée. Je dis, aujourd'hui, moi je sais, les gens qui disent qu'il faut qu'ils rentrent. Vous savez, aujourd'hui, la personne que Mamadi Doumbouya craint, c'est Selouda seulement. Et parce que aussi, il est en dehors de la Guinée. Le jour où il va mettre pied, il va le prendre. Du moment où il le prend, là, c'est fini. Même Mamadi qui a les testicules, là. Même Mamadi, le imbécile bâtard, là. Quand on le prend tout à l'heure, on le met à la maison centrale, c'est fini. C'est cul, là. Comme il est gonflé, là, il va être dégonflé dans la maison centrale. Il ne pourra plus rien. Il va se demander ceci, c'est lui qui roulait comme ça. Est-ce que c'était lui? Il va le regretter et puis c'est trop tard. Donc, je dis, Seloudalem, tu vas sauver le peuple de Guinée. Et comment tu vas sauver ce peuple cette fois-ci? C'est de rester en dehors de la Guinée. C'est de rester en dehors de la Guinée. Ne rentre pas pour qui que ce soit. Même si c'est qui meurt aujourd'hui en République de Guinée, demande condoléances au téléphone.
ne rentre pas en Guinée. Celle où tes enfants ne sont pas en Guinée. Aujourd'hui, ta famille n'est pas en Guinée. Ne rentre pas en Guinée. Restez en dehors de la Guinée. On va voir la fin de ça. Cette fois-ci, là, le peuple va se réveiller, se révolter. Les militaires en ont marre. Le militaire vivait avec grâce aux civils. Les militaires vivaient grâce à nous, les civils. Et si aujourd'hui, qui est le civil qui va prendre l'argent donné à un militaire? Parce que le militaire est béni. Eux, ils sont au pouvoir. Toi, le civil qui fait le banabana, gabé, gabé, là, tu vas prendre l'argent, les donner. Maintenant, là où eux, ils gagnaient, ils ne gagnent plus rien avec nous, les civils. Et le militaire qui est là aujourd'hui, Mamadi, c'est un égoïste. C'est un gourmand. Mamadi, c'est un traître. Mamadi Doumbouya, c'est un arrogant. Mamadi, c'est un cafre. Mamadi, c'est un salopard. Mamadi, c'est un bâtard. Mamadi, c'est un bordel. Mamadi, c'est une pourriture. Mamadi, c'est un imbécile. Mamadi, c'est un ingrat de high level. Mamadi, c'est un imbécile. Mamadi, on va te rentrer ici bien propre. On va te donner. Tu es un assassin. Tu es un criminel. Tu es un salopard. Je dis, tu es un fils de pute, Mamadi Doumbouya. Moi, je dis, tu es un fils de pute, Mamadi Doumbouya. Tu es un bâtard. On n'a jamais entendu parler de ton père. On connaît l'histoire. Tu es un bâtard. C'est moi qui le dis. Tu es un bâtard, Mamadi Doumbouya. Il y a quoi? Tu penses que la Guinée, ce sont tes testicules que tu... La façon dont ou comment tu veux que ça bouge là. Tu penses que la Guinée, c'est ça? La Guinée n'est pas tes testicules. La Guinée n'est pas ton anus. Quand tu veux aller chier, tu chies à tout moment. Maman dit, je dis à cause de toi. Je dis, d'abord, il y a une personne qui m'aime. Je dis, hein? Il y a un de l'âge, il est à la mec. Il m'a bloqué. Il dit tant que j'insulte. Et toi là, je vais te rentrer. Déjà, ta famille m'a dit, je suis insolente. Comme ils ne connaissaient pas, si les IFD juste moi me traitaient d'une insolente, toi là, ça ne me fait pas mal. Parce que j'ai répliqué aux gens, j'assume. Mais toi, ta famille me traitait d'une kolobali, molobali, awal, et d'une kolobali, amoliba. Parce que Ndine Semflata Kassro, il est djoukono, il est Mamadi Doumbouya. Il est kafri ding. Il est bâtard. Il est nyomo ding. Il est mota tignanin. Moi, tu fais, moi aussi, tu fais. Nko. Alba Mamadi souteni, Aldi Maloya, Alpha Condé Nyesini. Alpha Massa, hein? Alpha n'est pas mort. Hein? Et je vous dis, vous serez très surpris. Je dis, vous serez très surpris. Mais moi, je ne pas. Vous avez vu, hein? Moi, quand je me fais rare sur les réseaux sociaux, ayez peur parce que c'est qu'il y a quelque chose. Quand je suis rare, ayez peur. On ne vient pas alerter, on ne vient pas dire tout. Mais maman dit, comme tu as dit, tu as tes testicules, tu es sûr de tes deux couilles qui est dans ton pantalon là-bas. Là. Pourquoi tu fermes le pont 8 novembre? Pourquoi à l'heure là où je parle, depuis minuit? Hein? Parce que nous, il est 21h chez nous. Depuis quelle heure en Guinée là-bas, personne ne rentre en ville, personne ne sort. Pourquoi tout, vous avez dit que tout militaire... Maman dit, il y a mon dingue. Il est dit à Alpha et confiance là qui joue. Il est Alpha connecté à la palais. Il est dit joue. Il a fait comment tu coup d'état qu'il a là. Et dit coup d'état. Et dit Mourfata qui sort. Il joue. Il est imbécile. Il dit c'est mon qu'elle a Guinée. Alpha qui sait comment qu'elle a. Il dit c'est mon qu'elle a Guinée. Alpha m'a comment qu'elle a. Il prend Alpha la pouvoir. Il t'a fait mon brena. Il a pouvoir. Il a dit ta tigne. Il a dit. Et donc, il dit pour faire ta qui, car soroy djoukono. Imbécile, ne le cafon, ne fatou n'y a le. Ne kolobali molobali ou, alterman na kolobali molobali alialo. Mais alialo, parce que n'kondin soroy le djoukono, maman dit Doumbouya. Pourquoi aller frapper le gars chez lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi aller prendre les militaires? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu veux monter des coups? Tu veux l'arrêter encore de nouveau? Tu veux le tuer? Peuple de Guinée, si Ali meurt, demain on entend qu'il est mort là. C'est quelqu'un qui m'a appelé. Un petit du quartier là-bas qui m'a appelé.
Il a écrit sur la page, il m'a laissé son numéro, je l'ai appelé sur WhatsApp et j'ai parlé avec le petit. Le petit m'a expliqué comment ça s'est passé. Je dis, ne me dis pas des choses parce que tu sais, moi, les écrits, tout le monde sait que ce n'est pas moi qui écris les conneries sur la page. Mais je ne veux pas parler, je ne veux pas faire une vidéo et parler et dire des choses qui ne sont pas crédibles. Je ne veux pas du tout. Il m'a amené la vidéo et il a donné à quelques-uns là-bas, ils ont témoigné. Ils ont expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Que les militaires, les gendarmes sont allés au camp. Ils n'ont pas trouvé, ça c'était vers 22h de la Guinée. Ils n'ont pas trouvé Ali. Les militaires là-bas l'ont accompagné chez lui. Et on l'a trouvé, il était à mort. On est monté, quelqu'un est monté l'appeler, il est descendu, il n'était pas habillé. On dit, ah c'est le chef d'état-major qui a demandé de t'arrêter. Il dit, ok, je vais aller m'habiller. Il monte pour s'habiller. Ils s'habillent, ils sortent, ils viennent avec, voilà, et puis on le suit même. Vous voulez tuer la femme d'Ali qui est enceinte là. Vous ne savez pas que sa femme est enceinte, avancée. Vous ne savez pas ça, non? Non, mais vous êtes des imbéciles, vous, quoi. Bala, tu vas laisser les gens, tu vas laisser tous les militaires. Ils vont rentrer dans vos derrières là-bas. Toi-même, on s'en fout de toi, parce que toi, tu es chiffon et torson. Toi là, aucun gendarme ne va te toucher. Parce que après ça là, c'est Doumbouya. Si vous voyez toutes vos bêtises là, moi du moment où Doumbouya m'a dit c'est lui qui donne l'ordre, c'est lui je vais rentrer. Je dis on va lui rentrer ici. Et Doumbouya, on ne va plus parler. Wallahi billahi tallah, on va te faire partir sur la vie de mes enfants, sur le Coran, sur le Ramadan. Moi je ne vais pas m'asseoir ici parler, hein, mais on va te faire partir. Maman dit Doumbouya, tu vas partir. Je dis, tu vas partir, on va te faire quitter là où tu es dans le palais, Mohamed. Maman dit, on va tirer sur ton pied. Je ne veux pas que tu meurs. Ça, c'est tout ce que je crains quand même. Dieu sait, je ne veux vraiment pas. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai confié ta vie. Donc moi, je ne veux pas. Je ne vais jamais opter ta vie. Et je ne veux pas que quelqu'un opte ta vie. Parce que tôt ou tard, tu vas mourir. Mais je veux que tu payes tout ce que tu as fait du mal aux gens. Je veux que tes testicules là, hein, que tu as, ce que tu, tes deux testicules là, tu vas pourrir à la maison centrale jusqu'à ce que tu vas avoir 6 testicules. 4 testicules vont se rajouter dans tes deux testicules et ça devient 6.